Ouais. En plus, un lapin. Ouais, mets-le dans ton panier. Et tu veux que je te le porte? Et alors encore ou pas? Est-ce que vous avez été gâté? Regarde les carreaux, ils commencent. Même pas rien. Si, mais rentre. Viens, je rentre avec toi. Non. Attends, la chaise, elle était déplacée. Viens, mon Dieu. Vous cherchez? Je suis sûre qu'il est passé par là. Il y en a pour ton frère. T'as vu, il a mis pour deux. Il y en a un pour toi. Tiens. Comment elle a pu le cacher? Ah, c'est maman, ça y est, là-bas. Ils sont passés là aussi. Eh ben. Oh, t'en as semé un. Ah ben, ça y est. Ça y est. On rentre dans la maison, Giovanni, il fait frais. Maman, dehors. Eh ben ça y est. Je pense que vous avez tout trouvé. Qui c'est qui est content? Ah ouais, il y a moins de voitures sur le parking. On va être tranquille aujourd'hui. C'est le week-end de Pâques, lundi c'est férié. Il y a des enfants, on entend quoi. T'as vu un bébé? Est-ce que vous êtes prêts pour faire la fête? Let's go! Parti! Allez, bon, encore un peu de la famille à la maison. Là, moi, je pars à la gare. Je vais d'abord chercher une copine. Et direction Paris. Là, j'ai préparé mes petits bagages. Hop. Il fait beau, il fait bon. Là, aujourd'hui, mais j'ai quand même préparé un gros manteau et un pull parce que Paris, des fois, je sais pas, le matin ou quoi, s'il fait hyper frais. Moi, je suis pas du tout habituée à ce genre de lunettes. Ça, c'est une nouvelle paire que je me suis achetée. Moi, j'aime bien l'esprit pilote, les grosses pilotes, un peu Ray-Ban ou en tout cas cette format. Et ça, c'est les petites Prada. Je les ai vues en boutique. Et franchement, quand je les ai essayées, on les a trouvées trop jolies. Donc, une copine et moi, on a pris les mêmes. Ça change. J'ai pas l'habitude, mais franchement, ça change. C'est joli. J'aime bien les choses plus fines. Voilà. Si on loupe le train, c'est à cause de qui ? On va pas te faire écraser maintenant, hein. Ils vont croire que j'ai voulu faire le buzz. Je t'ai mis un vrai filtre. Je t'ouvre le coffre. Attends. On a un train pour aller. On a un train de Lyon. Lyon Perrache. Et bien évidemment, on s'est garé à Lyon-Part-Dieu. Mais bon. On va essayer parce que normalement le train qui passe à Perrache, il est censé récupérer les passagers de Pardieu. Ça va le faire, ça va le faire. On croise les doigts. On va voir si on est poisseuse ou pas. Nous dansons, ça va le faire. Deux Pierre Richard. Voilà, avait une théorie. Attends, avant de voir s'il nous accepte ou pas, c'était quoi? Et moins, ça fait plus. Ok. Donc poisseuse plus poisseuse, ça fait chanceuse. Donc ils nous prennent ou pas, tu ils penses? Pas, ils pas. Si on est gars, on arrivera juste. Non, au pire, on prend le métro. Ouais, métro D. Je connais pas, moi, je sais pas. Bon, bienvenue à Gare Pardieu. Allez, on va voir. On l'attend. Plus et plus, du coup, ça fait du... Non, c'était moi et moi. Ah oui, ouais, c'est bon. On aura le train, ils nous acceptent. Par contre, elle rigolait pour autre chose. Moi, j'ai acheté ma veste à Zara, mais je sors. J'ai laissé les trucs comme ça, là. Mais en vrai, j'avais enlevé tous les petits boutons, là. Je les avais enlevés, sauf que là, je suis dehors avec les petits papiers. Pourriez-vous voir mes chiens de filles? Je voulais retirer. Elle m'a dit, ils sont bizarres, tes boutons. Arrivé à Paris. Aujourd'hui, la petite tenue, j'ai les bottes ciées, mais trop belles. Il y a le petit écusson là. En fait, je les aime trop, déjà parce qu'elles sont jolies. Et surtout, elles sont hyper, hyper confortables. Au niveau du confort, avec le petit écusson gold dessous de la marque Ciémé. Être confortable à Paris.
boire un petit verre avec des amis. Je pense qu'ils nous suivent, hein, Yacine. Hein. Je sais pas ce qu'on dit. On se suit, allez. Anto. Tommy. Anzami. On a des émotions après. Normalement, on doit aller ailleurs. On va voir. Thank you.